franchement, c'est mon histoire, mon parcours, c'est maintenant, j'ai trop souffert dans ma vie. Le mari de ma mère, il voulait me tuer, quoi. Mon beau-père, quoi. Il m'a arrêté de l'école et tout. Quand je pars au champ, il m'a forcé d'aller au champ. Il me frappe là-bas et tous les jours. C'est des blessures, mais je ne peux pas vous montrer. Ma vie a été sauvée à un ami de mon père. C'est lui qui m'a sauvé ma vie. Il m'a dit je les suis. Ouais. Il était contre tous les ennemis du village, c'était chaud. C'est passé par Mali, clandestin, quoi. Mali, Burkina, Niger, Libye. Au bord de Libye, il nous est le pire qui m'a étonné encore, qui m'a choqué, qui m'a séparé avec le mec qui m'a sauvé, l'ami de mon père. Même là, aujourd'hui, j'ai toujours la douleur. Je ne peux plus de vivre. Ça va aller, je vais essayer. À Libye, j'étais en prison, j'étais vraiment en prison. C'est là où je dors, je fais pipi, je fais caca. On est plus de centaines de personnes dans une petite carré au désert. L'eau du pipi, ça revient comme ça. Ils nous frappent et ils nous tirent dessus aussi. Il y a des gens, j'ai vu des gens qui étaient morts devant moi, qui tirent sur les balles. Ceux qui nous ont emprisonnés, les Libyens. Et ils prennent des fusils, ils tirent les gens. Casse les pieds, si tu ne payes pas, nous, on n'a pas de moyens. Un jour, c'était venu d'un coup, le gardien il est parti, donc nous, les prisonniers, on a cassé, on s'est fui pour aller vers la mer. Pour essayer de s'enfuir le pays, quoi. Et j'ai pris le bateau jusqu'à l'Italie. Voilà, déjà, on a eu 40 morts dans ce sac. C'est les ballons gonflables, donc on est plus que centaines de personnes dans ce sac. J'ai fait 3 jours dans la mer. 3 jours, sans boire, sans manger. Hein. Au jour où on est arrivé sur les grands bateaux, ils m'ont hospitalisé direct. Hein. Ouais. Je saigne, le bateau a coulé, je saigne. Heureusement, j'essaie un peu nager. La seule chose qui m'a aidé, j'essaie un peu nager. C'est un point nager. Vous avez été sauvé par un bateau de secours? Oui. Qui vous a emmené en Italie, c'est ça? Oui. Au moment où j'étais arrivé, c'est le Croix-Rouge, un bateau, Croix-Rouge, qui m'ont amené à l'hôpital. Après, le Croix-Rouge, ils m'ont laissé d'aller en famille d'accueil. Après, la famille d'accueil, après, tu sais, c'est chaud, quoi. C'était chaud, donc ils ne s'occupent pas de moi bien. Donc vous êtes reparti? Oui. J'ai pris le train, je suis arrivé à Paris, gare de Lyon. C'était reprendre un train au hasard pour aller à Val d'Oise. Donc, j'étais dehors, je ne sais pas où, comment faire, il fait froid, donc j'ai pris le train. Donc j'ai demandé les gens où pourraient aider, je suis dehors. Donc il y a une bonne personne qui était venue me voir et elle était éducateur aussi. Donc il m'a demandé mon âge, d'où je viens, pourquoi je suis là, il m'a demandé. Il dit, lui, elle ne peut pas, donc il y a des gens qui aident les immigrants, donc il m'a essayé de m'aider. C'est pas toutes les personnes qui font ça aussi, c'est une bonne personne qui a fait ça, qui sent l'humain. Il m'a emmené à l'Azur du Val d'Oise. À l'Azur du Val d'Oise, le premier jour, ils m'ont mis à l'hôtel. Ils m'ont donné un rendez-vous pour l'évaluation, pour être assuré, pour être mineur. Donc c'était un rendez-vous, donc ils ont pris mes dossiers et tout. Du coup, j'ai mon papier qui montre que j'étais mineur, donc je m'ont évalué, ils m'ont demandé mon parcours et tout, donc j'ai ça expliqué. Et ils m'ont demandé qu'est-ce que tu vas faire en France. Voilà, j'ai dit oui. Donc ils m'ont évalué, j'ai attendu 4 mois de réponse. Du coup, j'ai eu mon réponse, donc j'étais mineur, ils ont contrôlé mes papiers, tout est bon, donc c'est nickel. Donc après, ils ont dit qu'ils m'ont trouvé une place à l'ASO de Calvados. Donc ils m'ont confié, ils m'ont transféré à Calvados.
quand même, c'est bien parce que déjà, dehors, tu étais dehors, s'il te dit de te loger, donc c'est des bonnes personnes aussi, donc, François. Même ma situation qui m'arrive comme ça, mais pour moi, ils m'ont bien accueilli, donc c'était. Franchement, c'était trop bien. Bah, déjà, la formation, depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, j'ai essayé de faire mon mieux à l'école. Donc, j'aime ce que j'ai fait. Donc, franchement, j'ai une bonne note de moyenne. Donc, pour moi, c'est pas bon, mais c'est la moitié. Donc, 12,23 moyenne générale. Donc, c'est pas mal quand même. En tant qu'étranger qui vient d'arriver, même pas 4 ans, qui s'intègre. Donc, c'est quand même une grande chose. C'est tout BP, c'est pas un diplôme facile. D'avoir 12,23 de moyenne générale en première année. Donc. Et vous vous attendiez, après tout ce que la France a fait pour vous, à ce qu'on vous dise finalement il faut repartir? Là, je m'attendais pas à ça. Donc ça m'a touché, ça m'a choqué, je sais pas où. Vous aviez envie de rester en France? Oui. Ma santé, l'éducation, ma sécurité. Avant tout d'abord, ma sécurité. Après, l'éducation, la santé. Franchement, c'est mon histoire, mon parcours, c'est envie de... J'ai pas envie de vivre, quoi. Maintenant, j'ai trop souffert dans ma vie. À cet âge que j'ai, plein de choses que j'ai vues dans ma vie, donc... Je vois des certaines personnes qui n'ont pas même pas vécu sur ça et qui... Voilà, même actuellement, ma situation, c'est pas réglé, donc ça... J'en peux plus. J'en peux plus. Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas à cliquer ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes Envoyé Spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est là que tu recevras toutes nos vidéos.